Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va pas se faire trois petites attaques, mais on va regarder trois petits gameplays, c'est tout aussi bien. Non, c'est même quatre d'ailleurs, quatre petits gameplays. Et donc du coup, moi je vous dis à tout de suite, c'est parti. Donc du coup on va commencer avec le petit premier gameplay, c'est parti, hop là, du 3-1, les... oh oui c'est un niveau 2, c'est un niveau 2, ah, en plus c'est contre un niveau 2 quoi, les niveaux 3 je leur mets des 3-0 et niveau 2 je leur mets des 3-1, ça c'est bon ça. Regardez, hop, on commence, petit sourire, petite bonne chance parce qu'il est niveau 2, voilà, donc petit sourire on peut se permettre parce qu'il est au-dessus de nous, du coup voilà, on profite, on fait un petit sourire genre, ah bonne chance hein, bonne chance hein, ouais non tu vas pas y arriver, non. Non, je suis meilleur, ok. Tu vois, c'est un peu ça, tu vois. Bon, en attendant, on lance un petit peu le tout. Alors, ce qu'on va faire, on va faire ça, voilà. Donc, alors, du géant au début, normal, hein, pour tanker, voilà, pour faire passer, pour économiser l'élixir, on va dire. Après, voilà, on protège un petit peu quand même la tour de droite, histoire de pas trop se la faire exploser. N'empêche, il a pas touché ma tour, et ça, ça fait plaisir. Le temps, enfin, le... Les drogues. Le mini PK a failli la toucher, mais il l'a pas fait, ça, ça fait plaisir. Regardez un petit peu la presse. Ah, ça m'énerve ça. Regardez un petit peu la. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. La sorcière. Regardez un petit peu la sorcière quand même qui avec ses petits squelettes là, tue en deux secondes chrono le géant. C'est un truc de fou. Bon, c'est vrai que ça vaut pas les petits gobelins, mais malgré tout, ça reste quand même assez puissant. Et regardez-moi cette tour qui part, mais. Genre. C'est une explosion quoi. C'est un truc de ouf. Ça, c'est bon ça, tu vois. Bon, il a un peu touché ma tour. Bon, il va la détruire au final, hein, ça on l'a bien vu. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il a touché un peu ma tour, mais c'est pas très grave. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer du géant, normal, hein, voilà. Après, sûrement des archers. Hmm, non, on va pas défendre d'ailleurs. On va pas défendre, si je me rappelle bien. Et on va envoyer. Ah, une Valkyrie. Non, voilà. Non, ah, je l'ai quand même envoyé. Ok, d'accord, j'ai quand même envoyé histoire de protéger un minimum. C'est vrai, effectivement. Non, tu vois, je pensais que justement j'allais laisser couler. Parce que j'ai tellement de gameplay en tête, j'ai tellement de parties que j'ai faites en tête que je m'emmène un peu, tu vois, il y a toujours des situations qui se ressemblent un peu, donc c'est pour ça que je m'emmène. Ah, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a réussi à me tuer, effectivement, c'est comme ça qu'il a réussi à tuer ma tour. Je me suis dit, c'est pas grave, on laisse couler, je vais envoyer masse en haut, je vais détruire sa tour en deux secondes chrono, et du coup, bah voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est magnifique. Donc voilà, donc là on met un géant un petit peu en défense. Voilà, donc ça fait toujours plaisir, tu vois, tu mets un petit géant, comme ça au moins l'ennemi ne touche pas ta tour, mais le géant à la place, et vu qu'il a beaucoup de vie, bah c'est bénéfique, hein, tu vois. Donc jusque là, bon, on est plutôt bien, normalement si je me rappelle bien, je mets une petite Valkyrie, non, une sorcière, une Valkyrie, voilà, à gauche, normalement. Valkyrie à gauche, voilà, donc sorcière à droite, Valkyrie à gauche, étant donné qu'il y avait le géant à droite, voilà, donc je me suis bien rappelé. Voilà, et puis là, bah, tu connais la suite, hein. Tu connais la suite, hein, Valkyrie, sorcière d'ailleurs qui a résisté super bien, et ça, ça fait plaisir. Et là même, j'étais étonné que la sorcière était encore en vie. Et là, j'ai vu toutes les troupes qu'il y avait, et j'ai fait, bon, bah, salut, hein, allez, salut, salut. Voilà, enfin bon, ça fait toujours plaisir, un petit combat comme ça. Donc, pas super combat, non. Oh, oh. Oh, j'ai pas dit super combat. Généralement, je dis super combat et puis bonne chance et puis voilà. Mais là, je l'ai pas dit. Je sais pas pourquoi. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire tout de suite pour le deuxième gameplay, Mantei. Donc là, on en est où? On en est où? On en est où? On en est au 3-1. Donc, du coup, c'est celui-là. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, donc on est contre du niveau 3. Ça, ça fait plaisir. Je rencontre à peu près que ça. De toute façon, du niveau 3, du niveau 3. Donc, du coup, bonne chance. Ah, intéressant. J'ai dit bonne chance. Ah ouais, non mais regardez, dès le début, regardez ce que je mets. Et après, qu'est-ce que je mets? La petite Valkyrie. Le mec, il a mis masse de troupes. Mais moi, je mets la Valkyrie, ça tue tout, mon gars. Ça tue tout, la Valkyrie. Et ça, c'est bon, tu vois. Avec la petite sorcière qui est là, qui protège un petit peu et tout, c'est magnifique. Après, tu as largement ce qu'il faut. T'as largement. Après, t'as juste ce qu'il faut pour envoyer du géant. C'est magnifique, quoi. C'est carrément magnifique. Et après, j'envoie les petites archers histoire de faire encore plus de dégâts. Et regardez-moi ça, quoi. C'est c'est magnifique. Le mec, il m'a même pas encore touché la tour que je l'ai explosé, tu vois. Ça, ça fait plaisir. Bon, en attendant, on va... Ah, là, j'ai mal joué. Effectivement, j'ai envoyé le PK. Bon, disons que j'ai bien joué quand même parce qu'il m'a pas touché mes tours. Ça, c'est bon. Mais malgré tout, j'ai pas défendu, du coup. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai joué une petite carte poker. Bon, c'était pas trop risqué, effectivement, mais malgré tout, ouais, ça restait quand même un peu mal joué. Dans le sens où il aurait mieux fallu défendre
avec le PK que l'envoyer pour essayer de détruire la tour. Bon, c'est vrai qu'avec toutes les troupes qu'il y avait, il n'y avait pas de chance, enfin, il y avait pas vraiment de chance qu'il arrive à contrer, mais bon, malgré tout, ça restait quand même, ça restait dangereux. Bon, à ce niveau-là, c'est pas trop, mais ça restait quand même un petit peu, quoi. Dans le fond, on va dire que dans le fond, ça restait dangereux. Bon, alors, du coup, on va regarder la troisième petite attaque, quoi. Donc, voilà, donc là, celle qu'on vient de voir, c'était une où j'avais, enfin, où il a pas réussi à casser mes tours, mais je sais plus si on a pas une autre où justement il a pas réussi. Ouais, je suis pas sûr. Ça doit être sur mon compte principal, je m'en rappelle plus. Parce que justement, j'ai fait une attaque sur mon compte principal. La dernière que j'ai faite sur mon compte principal, j'avais justement réussi. Le mec était niveau 9, je crois. Ou niveau 8, je sais plus. Ah non, il était niveau 7, c'est vrai. Il était niveau 7 et il a pas réussi à toucher ma tour. C'était quand même plutôt pas mal, hein, franchement. Je peux vous dire que c'était pas nul. Hein. Le mec, il touchait pas ma tour. Il avait un deck spawner. Un deck spawner, ça me dit quelque chose. Ah, mais non, c'est une attaque du jour, ça. Deck spawner. Je sais plus. Ah ouais, c'est peut-être une attaque du jour finalement. Je sais plus du tout. Ouais, je m'embrouille, c'est un truc. Mais j'ai tellement de trucs en tête, tu vois, c'est un truc de ouf. Regardez-moi le PK qui fait plaisir. Oh là là, mais regardez-moi ça, c'est un truc de malade. En plus, il me reste que 6 sur ma tour, c'est un truc de ouf. Et franchement, je te dis, les mecs, ils peuvent rien faire. Les mecs, ils savent pas contrer, ils savent pas attaquer. Donc forcément, les mecs, ils peuvent rien faire, c'est un truc de ouf. Il y en a juste un dans l'eau qui a réussi à me faire quelque chose. C'est limite s'il a eu de la chance, hein. Alors, voilà, quoi. Oh là, truc de fou. Bon, en attendant, on va se voir le petit dernier gameplay. Hop, c'est parti. Alors, Arène 2, carrément. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça donne? Enfin, Arène 2... ouais, si c'est Arène 2, si je me rappelle bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne, Mantei? On envoie la sorcière. Ok, ok. Ça donne quoi? T'envoies des archers? Ouais, non? Ah, t'as envoyé les archers, c'est bon, ça. Hop là, après, qu'est-ce... Non, mais je redécouvre un petit peu, tu vois. Après, effectivement, vous pouvez me dire, ouais, mais c'est quoi ça? Tu pourrais très bien regarder en avance, et puis après, au moins, tu sais comment ça se passe, et tu pourrais faire comme ça. Bon, effectivement, c'est vrai qu'en y pensant, ça serait pas plus mauvais, quoi. C'est vrai, effectivement, de me remémorer en regardant avant de commenter. Ah, ça serait pas plus mal, c'est vrai que c'est pas bête. Ouais, je sais pas. Il faudrait que je tente. Il y a un moment, si jamais il y a un moment, j'ai re-envie de vous montrer des gameplays, je tenterai justement de regarder. Limite, je regarde une dizaine de fois s'il faut, hein, histoire de bien me remémorer les actions. Et du coup, de pouvoir faire peut-être un meilleur commentary. C'est peut-être possible. De toute façon, autant. Regardez, il est full, il tire plus rien. Et le mec, ça l'a saoulé. Il est full, il tire plus rien, les gars. Et là, j'en ai profité de ouf. J'ai dit, ah là. C'est obligé, le mec il a arrêté d'attaquer. C'est obligé, du coup j'ai profité, j'ai mis un max de troupes. Oh là, je me suis fait plaisir. Et donc effectivement, ouais, donc par rapport au délire du commentary, on peut que s'améliorer. On peut que... Wow ! Ah là là, non parce que je viens de toucher du bois. Moi je suis très sensible au bois et quand je frotte du bois, des fois ça fait des frissons de ouf. Enfin bon, on va pas raconter ma vie non plus. Le bois, tu sais, le bois qui est pas lisse, tu vois, le bois un petit peu poncé ou j'en sais rien, genre comme les. Tu sais, les petits bois là, des glaces. Oh là là, mais j'ai horreur de ces bois là, c'est un truc de ouf, putain. Chaque fois je peux pas les tenir là, je suis obligé de prendre le paquet avec là, tu sais, le paquet qui est autour là. Ah là là, ça m'énerve. Enfin bon, c'est un truc de fou. Oui, donc du coup. Le truc c'est que par rapport au commentary, on peut peut-être pas que s'améliorer, mais limite si on s'améliore dans le commentary, c'est pas forcément mauvais, et au contraire justement, ça peut être pratique, ça peut servir. Donc c'est vrai que pourquoi pas des fois tenter de temps en temps faire des petits gameplays comme ça et les commenter par-dessus, histoire de s'entraîner, histoire de voilà. Par exemple au début quand j'ai fait ma chaîne, j'étais là, j'étais voilà, donc du coup. Alors, on va... voilà, donc peut-être... Alors, oui, donc, alors... on va attaquer comme ça, nanana. Tu vois, j'étais pas trop dynamique, tu vois. D'ailleurs, ça m'énerve. Quand je regarde les vidéos, je dis... Oh, tu bouges ton gros... Hein? Enfin, bon. Bon, à la limite, on va le refaire. Non, mais oh, tu bouges tes grosses fesses? Voilà, c'est un peu moins... C'est un peu moins vulgaire. Alors, du coup, le délire, c'est que... Le truc, c'est que je me suis amélioré. Ah, je suis un peu plus dynamique. Bon, ça reste quand même des fois, comme par exemple, je redis un petit peu l'exemple, comment ça s'appelle? Le pack opening d'hier, de samedi, là. Le pack opening d'hier, j'étais pas trop dynamique, hein. C'était pas encore ça. Mais bon, malgré tout, ça reste...
ça reste quand même, voilà, c'est pas tout le temps, quoi, ça reste de temps en temps, c'est voilà. Mais bon, malgré tout, il y a quand même des fois où je reste quand même pas trop dynamique, mais malgré tout, je me suis amélioré par rapport à ça. Maintenant, je suis un petit peu plus dynamique sur certaines vidéos, voilà. En attendant, je vais aussi sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, je vais vous dire ciao, et puis n'oubliez pas, je vous ai tous défoncé. Non, je déconne, et puis n'oubliez pas, restez cool.